Et bonjour tout le monde, c'est Oblou et on se retrouve pour un peu de Minecraft. Donc comme vous avez vu, je fais un peu beaucoup de vidéos, enfin j'ai fait quelques petites vidéos sur Minecraft. Et j'ai décidé de faire, du coup je vous avais dit que j'allais faire que j'allais faire une vidéo de plus ou moins de Minecraft et que j'allais vous demander votre avis. En fait, je comptais vous demander votre avis pour savoir si je faisais une aventure suivie, mais comme vous le verrez sur une petite vidéo que j'ai postée dans... Enfin, pour moi, je vais la poster dans pas trop longtemps, pour vous, vous voyez sûrement. Déjà vu qu'il y aura 8 minutes, une petite huitaine de minutes qui est non commentée. Je m'étais amusé à faire une nouvelle map et à chercher un endroit où m'établir. Et j'ai trouvé un petit endroit bien sympa dans une montagne. Alors, je vais vous montrer plus correctement en même temps que je me suis posé à faire un petit escalier. Je me suis trouvé un petit endroit bien sympathique dans une montagne pour... D'ailleurs, je vais faire mon escalier. Pour m'établir, enfin où j'ai décidé de m'établir, je vais vous montrer, c'est juste après là. Et du coup, ben voilà, j'ai trouvé cette petite montagne là qui était bien creusée. Je vous montrais vraiment un peu en tout. Voilà, qui était bien creusée, j'ai trouvé ça sympa, donc je suis allé à l'intérieur. Et j'ai trouvé que c'était super sympa comme endroit. Du coup, ben, j'ai vous faire une aventure suivie dedans où je vais essayer d'établir ma base, faire espérer qu'il y a plein de grottes dedans, c'est tout plein de grottes. Et où je vais établir ma base, alors je sais pas si je referai sortir de la montagne ou pas, ou si je sais pas exactement comment je vais la faire, mais je me débrouille. Et du coup, il y a pas mal de grottes et tout ça, donc voilà, j'ai décidé de m'établir là. Et, comme vous voyez, il y a pas mal de petites choses sympas. Du coup, bah voilà. Décidé de vous faire ça, faire une petite aventure suivie sur Minecraft PS3. Alors plus tard, peut-être pas tout de suite, s'il y a certaines personnes qui veulent participer ou venir m'aider à construire des choses sur la map, ça sera possible. Alors, pas forcément sur demande, mais je verrai comment j'organise ça mieux. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, je vais laisser établir ma petite base tranquille. Mais ça sera possible dans un futur proche. Et aussi, il y a DX Forest, je crois. Excusez-moi si il m'excusera, je pense qu'il m'écorche son pseudo. Qui m'a envoyé une demande sur YouTube, donc vous pouvez voir ça voilà, dans les commentaires. Et pour inviter moi et d'autres sur la map qui avait créé sur PS3. Et j'y suis allé et j'essaye de m'établir pareil sur une petite île, comme sur ma toute première map que j'ai faite, que je vous montrerai sûrement en vidéo. Et du coup, c'est très sympa et je sais pas ce qu'il faut en faire, il faut que je contacte pour savoir si c'est pour faire la capture d'image et tout, vous faire des petites vidéos. Moi, je suis complètement pour. Du coup, je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, j'espère un peu. C'est pas les trucs les plus passionnants dans Minecraft, mais. Alors, Minecraft PS3 est sorti mercredi dernier ou mercredi d'avant, je sais plus. Enfin, tout ce que je sais, c'est que dès qu'il est sorti, je l'ai pris. Là, il est sorti là. Avec une source d'eau qu'on pourra piquer. Alors, ça, c'est assez intéressant. Et du coup, j'ai directement acheté, j'ai directement joué. À la base, je voulais vous faire une petite vidéo dessus directement. Pour faire une petite vidéo de présentation du jeu, tout ça. Et puis du coup, j'ai fait une petite vidéo avec une autre que vous avez fortement apprécié. Vous testez un peu de joueurs sur Minecraft.
Sachant qu'on pouvait jouer jusqu'à 4, mais sachant que déjà à 2, c'est un peu le bordel sur l'écran et qu'il faut bien choisir son écran pour bien avoir une bonne visibilité. Ouais, mais c'est pas mal. Du coup, j'ai joué un peu depuis le début, j'ai capturé et je vous ai posté ça pour vous présenter un peu une création PS3. Je pense que c'est moi. Du coup, voilà. Sur PS3 est un jeu que j'attendais, enfin c'est une version de Minecraft que j'attendais beaucoup, c'est parce que moi j'ai beaucoup joué sur PC et bah, j'adore Minecraft. Et du coup j'attends vraiment la version PS3 parce que c'est plus simple pour moi de jouer sur la console que sur un ordinateur. Sachant qu'il y a quelques petites différences un peu notoires mais qui ne sont pas dérangeantes en soi. En espérant qu'il fasse vite des mises à jour pour qu'on ait à peu près encore plus la même chose que sur PC, vu que c'est déjà plus ou moins le cas. De faire une mise de base par là. Et je sais pas où je vais la faire. Je sais comment je vais la faire, je sais ce que je vais faire. J'ai une petite idée. Sachant que là, ce que je vais faire, c'est du provisoire. Donc là, je récolte quelques pièces que j'ai ma petite idée pour au moins la base provisoire. Et je crois que ça va être pas forcément ma base à la fin, mais sûrement que sinon. C'est pas mal de cailloux. Et oui, aussi, du coup, je sais plus dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Je vous disais que j'étais plus dans la deuxième vidéo d'Assassin's Creed. Que d'ailleurs, je vous poste le troisième épisode pas très longtemps, si tout va bien. Je disais que j'étais obligé de couper le son en attendant de trouver une solution sur ma télé pour vous enregistrer ma voix tranquillement. J'ai trouvé une solution et du coup pour vous ce sera plus agréable, vous allez peut-être pouvoir m'entendre et pas entendre de façon comme c'est le cas sur certaines vidéos.
Je vais en faire un petit escalier. Donc bien foncé à se mettre en sneaker. Bon, je vais dire en sneaker, je vais parler comme tout le monde. Donc en position, vous voyez le petit personnage est une espèce d'accroupi bizarre. C'est pour éviter de tomber des cubes et pour placer un cube plus tranquillement. C'est une toute petite base que je fais. C'est juste histoire de dire de dormir, de pouvoir fabriquer mes petits trucs tranquilles. Ça c'est fait. Du coup, il va falloir de pierre, mais j'ai pas de. Je crois que je peux. Ah, c'est une autre pierre là. Non. Je crois que je vais regarder encore. Ouais, c'est ce que je disais. Et après, c'est à se mettre en sneak. Toi, on tombe. Ok. Presque tous les monstres du Minecraft. Et voilà, comme ça, nous avons appris comment mourir à Minecraft. On va faire un abattoir. Je ne vais pas parler quand. Je vais mettre un code bonus parce que c'est toujours très pratique pour commencer une aventure. Tu vois, un petit code bonus, parce que des fois il y a pas mal de petites choses intéressantes que j'avais pas récupéré quand j'avais créé la map. Sauf que du coup, ben, j'ai plus ma map non plus, il va falloir que je me retrouve. Et le truc c'est que. Comme je suis parti un peu loin. Vous allez voir. Bah du coup, je sais plus où du coup où c'est que je suis. Quand je sais que je suis dans un désert, c'est tout ce que je me rappelle. Je m'étais bien remonté.
à trouver. C'est comme sur PC, hein. Les squelettes, les zombies meurent, le jour les creepers disparaissent. Ouais, pour moi ça passe de... Et apparemment j'ai lu une news aujourd'hui, je sais pas depuis qui. Disons qu'il y avait des problèmes de sauvegarde, de correction de sauvegarde, et qu'il ne fait pas sauvegarder manuellement. Alors moi j'avais deux soucis, sauf avec les squelettes qui m'embêtent. Je n'ai jamais eu de soucis de ce genre-là. Puisque j'ai déjà sauvegardé mon numéro, j'ai pas de soucis de sauvegarde, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais apparemment faut laisser sauvegarder la partie tout seul et reprendre après. Et quitter le jeu juste après sans sauvegarder. C'est ce que disait la news. Moi je vous le dis parce que j'ai lu aujourd'hui. Si ça peut aider certaines personnes, c'est tant mieux. Alors, je suis bien perdu, que je vais pas retarder à mourir. Par contre, le mode survie est bien fait. Non, franchement, il est très bien. Pas pour tous les petits fans de Minecraft qui peuvent, qui sont pas de PC ou qui peuvent pas jouer sur PC. Et puis ils ont les trois, je leur conseille. Coûte 18 euros, c'est pas. Ça peut être 18 ou 19 euros, je sais plus. Pas très cher. Et franchement, il en vaut le coup. On va mourir. Donc, il faut que je retrouve mon désert. Ah oui, on peut rester la fréquence de sauvegarde dans Minecraft sur PS3. Donc c'est automatiquement à toutes les demi-heures. Moi je rêve à toutes les 15 minutes. Comme ça, ça permet de... style de qu'on meurt et qu'on voulait pas mourir, ou qu'on tombe dans la lave par inadvertance. Donc après, ça sauvegarde et garder toutes ces affaires. Par contre, c'est forcément toutes les... bêtises que nous avons faites. On va faire un petit peu de temps. Comme ça, quand on sera à la base, on pourra construire. Thierry, ça nous extrait de
Pourquoi ça se passe? Ah. Alors ça c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le village que j'ai découvert dans le désert. Du coup, si c'est bien celui-là de village, je l'ai un peu pillé la dernière fois. J'espère que c'est bon. Enfin, j'ai pillé un de leurs champs la dernière fois. Je me suis mis à détruire une maison. Voilà. Donc je dois pas être très loin. Peut-être que je passe. Donc je vais pas l'air pire. Du coup, j'étais allé à peu près tout droit, il me semble. Donc on va finir par se retrouver. Voilà, voilà. Voilà. Là, voilà mon bouton. Du coup, j'ai pas cette lune pour faire un lit. Mais du coup, je suis pas trop loin d'un village, ce qui peut être pratique. Alors, il faudra me dire si vous voulez que je baisse la musique ou que j'enlève. Moi, je l'ai déjà baissé, mais j'ai l'impression que ça pèse pas trop la musique. Enfin, c'est à vous de voir. Donc là, je vais essayer de vous faire un épisode. Et on va prier et voilà, on a plus. Alors oui, alors je sais pas si c'est comme sur PC, mais notre inventaire à chaque fois il disparaît quand on meurt et ça c'est chiant. C'est pour ça, mettez la sauvegarde toutes les 15 minutes, ça sera peut-être mieux. Si vous êtes comme moi, si vous mettez à mourir, est-ce que tu viens m'embêter? Si je fais du tir, est-ce que tu vas pas pouvoir venir? D'accord, on va poser un truc de quoi ici comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, et du coup, je suis bon pour te recommencer. Je vais taper votre activité inintéressante de ce jeu. Je vais vous ramener là, le jeu, j'ai pris le pack festif qui était à peine 1 €. Pour avoir autre chose que le skin de base qui sont moches, en espérant qu'ils nous mettent des skins un peu mieux. J'aimerais qu'ils mettent les skins qu'on peut avoir sur le PC par exemple, ce qui serait pas mal. Moi j'ai pris le...
ce golem de neige. Ça me correspondait un peu plus. Sachant que quand on joue multijoueur en ligne, ça les garde. Pas qu'on joue en local, qu'on joue local par exemple avec un. Par exemple, si je joue avec si je joue avec Uniblue, sur son compte, je suis obligé de remettre à chaque fois mon skin, ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas. C'est pas grave en soi. C'est juste qu'il faut y penser. C'est très facile à faire. Vous faites start, option, changer de skin, option. Attendez, vous regardez ça. Voilà, start, aide option et changer de skin. Vous changez de skin. Que vous voulez. Ça on va faire un truc assez moche, hein. On verra par la suite. Comment on peut faire? Ah oui, on ne peut pas récolter avec la pioche. On va voir. Ici un peu. Voilà. Comme ça, on va casser. Oui, je vais coller, je vais là. Je vais tout comme un escalier. Et je trouve que c'est vachement intuitif le gameplay à la manette, que ce PC c'est vraiment intuitif malgré que c'est très facile à prendre en main dans Minecraft, hein, c'est pas compliqué. Je trouve ça plus intuitif sur console que sur tablette par exemple. Sur tablette j'aime un peu moins parce que j'ai aussi Minecraft, enfin, j'ai un peu de Minecraft. La version Pocket, la version PS3, la version PC. Sachant qu'il faut très bien éclairer quand on fait des bases souterraines, qu'on va en grotte, qu'on va faire des mines, parce qu'autrement, si c'est pas bien assez éclairé, les monstres apparaissent. Donc, désolé, j'avais coupé pendant la sauvegarde. Donc on va reprendre là où on était. On va récupérer encore quelques petites pierres. Finir ma base. Et après aller voir ce qui est. Ah bah oui, c'est ce que je suis en train de faire, ça du coup ça fait bien.
pas si je vais avoir assez de pierres pour finir. Comme je sais ce que je comme je vais le faire après. Je vais vous montrer comment faire un petit tour bien sympa plus tard. Je fais comme ça exprès. Voilà, je vais pas m'amuser à faire comme je voulais faire un truc. Donc je pourrais. Peut-être que je peux. Non, j'ai plus que deux bras. On va attendre un peu. Plus de deux bras pour le faire. Et je peux pas respirer. Il va falloir que je dise que c'est. Oui, du coup. Je vais faire un peu. Avec ce toit. Oui. Je vais récupérer pour plus tard. Là. Alors, si je voulais juste perdre un peu. Toujours ça. Nous, on va aller rendre visite aux villageois. Je ne te sens pas à chaque fois, je m'en rangerai pour faire autrement. Vous voyez là, une petite base de dimanche. Comme ça pourrait le faire. Alors, sachant que. J'ai pas trouvé comment courir dans Minecraft encore. Est-ce qu'il y a un peu chiant? Aussi, quelqu'un trouve, qu'elle me dit. Regarde un truc, ah non, il me suit plus. Alors, que par la sable qu'il a laissé, que ça peut être très utile pour, par exemple, fabriquer du verre. On va essayer de tuer un creeper. Parce qu'il y a, enfin, c'est l'évidence qu'il faudra bien reculer. Ouais, on a réussi énormément une tonne. Ce qui nous a pas donné du. Décharger tous les villageois comme ça PC on peut faire ce qui est un peu dommage, je sais plus si c'est pas la semaine dernière enfin le système que j'ai connu pour ça ne pas sachant que par contre les trucs sont possibles toujours aussi dans le même parce que
fait voler du vol très facilement les villages sont très très proches. Enfin, moi je trouvais assez facilement des villages dans la version PS3. Et du coup, vous fabriquez ne serait-ce que ça. Alors, tout à l'heure j'ai vu un truc qui était assez drôle, c'est que la plateforme de terre était serrée et lancée quand je suis arrivé. J'ai vu le. Les Andarins ne sont toujours pas remontés, les creepers ont toujours un peu chier, et c'était là. On a un peu s'abriter. C'est dans le livre à cette première année. Sachant qu'on peut se fabriquer des laines avec les. Voilà. D'accord, c'est bien là. Ça aurait quitté un, on va voir cette part. Je vais essayer de ça arriver. Avec ce que j'étais maintenant avant les araignées qui deviennent gentils sauf sur les attaques le jour, ce qui peut donner un avantage fort utile. Je vais me récupérer ces pierres. Puis comme ça, pensez à détruire un clip. Parce que si vous tombez dedans, c'est assez profond. Et du coup, vous risquez de finir par mourir. Le moyen de tout le temps de détruire un clip à la main, c'est un peu chiant. Donc, je vous conseille de couper un arbre direct en arrivant. Ou de mettre des coffres en police. Sauf si vous donnez une difficulté en plus, vous coupez. Voilà. Mais comme j'ai coupé mon clip, là, ça te permet de pouvoir monter. De la chance, ça va être les petits moutons qui sont là. Ouais, on a plein de boîtes partout. C'est quoi très intéressant. Alors, sachant que pour se faire lui, il faut 3 liens. Pas forcément tout branche, mais ça va être différentes couleurs. Alors pour couper du bois, ne prenez pas la. Je vais vous prendre un bâton occupé la cube de bois, je crois que ça coupe plus vite. Ou une hache, les haches elles s'usent très vite. Pour couper du bois, ça, toujours mieux. Et si vous voulez pas avoir bien avant le platin, ça prend deux troncs de l'arbre pour vous faire
faut faire un petit effeuillage, puis pour tomber. Ou alors vous voulez casser le feuillage, comme je suis en train de faire. Moi, c'est pas pour le faire disparaître, c'est pour récupérer. Parce qu'en fait, un feuillage, il y a des pommes, il y a des pousses d'arbres. Et nous, notre objectif, c'est de faire pousser des arbres dans notre grotte. Dans notre. Sachant qu'un arbre donne entre 2 et 3 pouces d'arbre, il me semble. À peu près, je crois qu'il faut en donner jusqu'à 100. Les cochons, désolé, mais ça donne des viandes. Logiquement, parce qu'on joue des jeux pour beaucoup de chance avec les trucs apparemment. Donc on a récupéré du poids, on est en train d'avoir, il va encore un truc sur le, mais voilà, c'est bon. On a là assez. Et du coup, j'espère vraiment que vous les agents pour trouver des gens avec les villageois, parce que c'est très pratique les gens avec les villageois. Du coup, nous allons retourner à la petite maison. En espérant pas entre de mauvaises surprises. Je vous dis qu'on ne veut pas forcément. Ou bien éclairé, parce que t'as une petite surprise. Normalement, j'ai à peu près assez éclairé, ça retourne ma maison. Là, je pense qu'il fait jour pour que ça soit clair. Et on va fabriquer un truc très utile dans Minecraft, qui est le four. Alors, pourquoi je fabrique le four? Parce que, en attendant de avoir du charbon, on va le fabriquer. Alors, je ne sais jamais si c'est dans quel sens, malheureusement. Je crois que c'est comme ça. Et comme ça, et bien c'est dans l'autre sens. On se fait que les arbres comme ça. Voilà. Tout simplement. Ça fait quand même un peu de charbon de bois et c'est froid. Et tiens, pour ça fait que au moins, au départ, un peu de torche. On va tout manger, on va manger plus de moitié de pain. Je me fais des stacks ou des groupes. Un stack, c'est des groupes de six pains, des graines, on a l'argent aussi. Et je crois que normalement, les épées, on peut les trucs en bas qu'on a pu, on peut les brûler aussi. Voilà, j'ai. Et c'est comme dans la version du crâne, c'est passé. Quand on fabrique quelque chose, ça ne rapporte pas de l'expérience. Quand on brûle tout n'importe quoi, ça ne rapporte pas de l'expérience. Avec notre torche, on va avoir assez. On va commander un peu. Voilà, on va faire notre torche. Comme ça, et on va mettre. Oups. Et on va fabriquer une dernière quelque chose, une porte. Vous voyez, les torches vont très très vite. Je crois qu'il faut passer vers l'extérieur ou à l'intérieur, enfin, je sais plus.
la porte. Et de toute façon, je crois que ça fait pas d'apprentissage. Ah bah là, c'est ça, c'est pas parce que je fais ça comme ça. Il faut pas mettre vers l'extérieur pour que ça fasse. Vous pouvez faire avec une plaque de pression, vous mettre un bouton, je montrerai comment faire. Donc je fais juste comme ça pour l'instant. Et on va fabriquer notre petit disque normalement. On voit pas ce qu'il manque une laine. D'accord, donc le drame autour, un peu de laine est très gentil à ce moment. Je l'ai là. Donc bien pensé. Donc laine. On va fabriquer un lit, vous le placez. Et on peut dormir que la nuit. C'est logique. Il a fabriqué notre petit toit. Tiens d'ailleurs. On va cacher du bois pour fabriquer. Alors, faites gaffe au bois. Alors, pourquoi je dis faites gaffe au bois? C'est que ça paraît très bien, mais le bois brûle avec par la lave. Et du coup, ce qui est assez dérangeant, en soi, enfin dérangeant, parce que du coup, votre maison risque de brûler sans vous vous en rendre compte. Alors, le bois, on peut prendre avec n'importe quoi, même avec je prends la rotten flèche. Je parle un peu avec l'état anglais, ce que je connais un peu l'état anglais, avec la viande de zombie. Voilà. Char putréfié. En français. On n'a pas mis le craft en anglais, mais on va mettre en français. Bien entendu. Ah oui, vous allez me dire que je passe n'importe comment, mais c'est parce que. Je vais pas vous rencontrer, j'ai fait n'importe quoi. Moi j'ai l'habitude de mettre les fours devant mon lit. Ou derrière mon lit. Moi je vais mettre là comme ça. Mais je ne sais pas comme ça. C'est ce que je fais. On va corriger ça tout de suite. Pas très bon. Parce que je me fous là. Donc, il y a. La table de craft. Je vais poser là. Ça c'est bon. Et on va fabriquer. On va fabriquer avec 6 bois. Et nous avons. Qu'est-ce qu'on a bien que je suis là? Alors maintenant, bon, je connais pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin de fabriquer quelques trucs. Bon, j'ai le poids, on va récupérer. Le pouce d'arbre, sachant que les arbres se poussent dans la terre, la chair putréfiée, je sais pas si on peut la manger. Alors, je crois qu'on peut peut-être la manger en mettant dans le feu en faisant brûler. Peut-être faudra me dire. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, on a aussi fabriqué une petite maison avec un toit en colimaçon. Voilà, où on pourra se protéger dès qu'il fera beau. Voilà. Donc, quand il finit que vous avez un lit, vous dormez dans votre lit. Et ça vous fait votre point de spawn. Et vous pouvez dormir jusqu'au matin. Donc voilà, nous sommes installés dans notre petite de base et on se retrouve